et tu vois, hier soir vite fait là, vers sur les coups des quatre cinq heures du matin, j'avais un gros gros coup d'insomnie, donc j'arrive pas à dormir. Je me suis dit ouais, je vais aller sur TikTok vite fait me crever les yeux manière là voir ce qui traîne. Je tombe sur deux deux demoiselles déguisées en démons ou deux démons euh, déguisées en demoiselles, en enfin, fait je sais pas, je savais pas où commencer l'apparence et où commencer euh, le moi jeu en fait. Tu tu vois c'était malaise TV, -télé, la télévision, quoi. À peine t'arrives là, wesh qu'est-ce que t'as, fils de pute enculé, la contaras, le caveau de mort, moi je t'encule, wesh la famille et tout Mais euh... Mais c'est à qui que tu parles comme ça, là C'est à qui que vous parlez comme ça Parce que c'est... Là tu la tutoies, tu prends un missile Scott dans la tronche, tu vois, direct. Et les meufs, elles sont magnifiques, elles sont mignonnes et tout, hein. Elles doivent... Je crois qu'elles ont passé le stade pubère. Il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Toi, t'es là, t'as plus de 40 ans, donc t'as vécu, hein, t en as rencontré des femmes dans ta vie, hein, le profil psychologique, tout ça. Tu vois les râteaux et tout et tout. T'as peine dit bonjour et parce que tu t'appelles le Puits des âmes. Ouais, t'as un drôle de nom. C'est quoi ce nom de merde T'as un bouffon de bâtard de mort. J'ai jamais entendu autant d'insultes et de gros mots en une minute qu'en un an. Ouais. Ah ouais, j'ai compris maintenant. En fait, pourquoi ils étaient deux C'était pour se gonfler la bulle entre elles, hein voilà. Mais en fait, elles étaient seules. Ah, elles étaient pas en couple. Ah ben bah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est normal en fait. Ouais non, est... on n'aime pas trop nous les hommes. Les poisons mais en fait. Mesdemoiselles, vous qui êtes comme ça, là, vous avez sérieusement du travail. Hein. Alors moi je vous conseille d'ouvrir les petits objets rectangulaires sur l'étagère. Ouais ouais tu sais. Hein ouais, ouais on appelle ça des livres. Donc tu les lis un peu pour te rendre un peu moins conne. Tu lâches un peu le vernis et tu lâches un peu l'iPhone. T'apprends un peu la langue de Molière pour accentuer ton apparence et accentuer tes airs. Et lorsque tu seras prête et croustillante à souhait, alors peut-être qu'un homme charmant viendra se dévouer.